sélection Miss Wheelchair Cameroun. Nous allons lui donner le soin. Elle est la candidate numéro 2. Et maintenant, nous allons lui donner le soin de se présenter elle-même. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous vous appelez, madame? Je m'appelle mademoiselle Ngobibé Marie Salomé. Vous allez participer à l'élection Miss Wheelchair Cameroun. Quel est votre projet? Quelle est votre vision de l'élection Miss Wheelchair Cameroun? Déjà, mon projet à moi, c'est la scolarisation de la femme sur fauteuil roulant en milieu rural. Oui. Et ma vision par rapport à l'élection Miss Wheelchair est tout simple, en fait. C'est qu'on se dit qu'on va promouvoir la femme en fauteuil roulant, ce qui est très valorisant parce que de nos jours, on ne se retrouve pas, en fait, avec... on ne se retrouve qu'avec des femmes valides partout de partout. On aimerait bien voir des affiches où on pourrait également voir des femmes comme nous, des semblables, et qui puissent s'affirmer devant tout le monde et avoir la possibilité de s'exprimer et de dire ce qu'elles pensent en fait de la vie. Et comment allez-vous procéder pour l'élaboration de ce projet? Comment ça se passe? Moi personnellement, j'aimerais être le porte-parole, celle-là qui ira dans toutes les 10 régions déjà de notre pays, parce que je sais que sans cette sensibilisation-là, il y aura encore beaucoup qui ne vont pas pouvoir peut-être se présenter, par exemple, à l'élection Miss Wheelchair de l'année prochaine ou je ne sais pas trop, à la prochaine édition, qui ne pourront pas s'affirmer. Moi, personnellement, je veux des femmes qui puissent être capables de s'affirmer telles qu'elles sont. Et pour moi, ça passe par la sensibilisation. Je compte aller dans chaque région de notre pays, dans les 10 régions du Cameroun, pouvoir faire une sensibilisation, de pouvoir informer les uns et les autres que laisser une femme parce qu'elle a un fauteuil roulant à la maison, ça nécessite, pour moi, ce n'est pas l'agréable. Parce que je sais que nous sommes des acteurs de demain et je sais que le Cameroun a besoin de ces filles-là à l'émergence 2035. Je sais que nous allons apporter énormément dans ce pays et que le pays, notre président, pourra compter sur nous. Vous avez parlé de la scolarisation des femmes en fauteuil roulant. Est-ce que vous allez partir dans ces 10 régions, entrer en contact direct avec des proviseurs, des principales d'écoles, ou bien vous allez plutôt construire des écoles, ou bien comment allez-vous procéder? Oui, en fait, il ne s'agit pas de construire des écoles. Ça, c'est pas assez. Je me dis, le gouvernement va s'occuper de ça, s'occupe déjà bien de ça. Mais le problème, en fait, c'est déjà aller de toucher le problème du doigt. C'est-à-dire, on va dans un... Par exemple, je prends la région la moins scolarisée, en fait. Je prends la Damawa, par exemple. On va sur le terrain, on essaye d'abord de faire un séminaire, ce qui va attirer des gens vers nous. On peut passer à la télé, on va passer dans les radios. Et maintenant, aller chercher, pourquoi pas, ces parents-là qui ne veulent peut-être pas se joindre à nous, aller vers eux. Moi, j'aimerais bien ça. J'aimerais bien aller vers ces personnes et leur parler, leur dire, oui, c'est possible, vous pouvez envoyer vos enfants à l'école, nous pouvons vous donner un coup de main, mais sachez que c'est important. Voilà. Merci, mademoiselle Ngobibé Marie. J'ai beaucoup aimé votre projet. C'est vraiment très important, la scolarisation des femmes handicapées, parce que nous, Miss Wheelchair, nous sommes là pour promouvoir l'indépendance des femmes en fauteuil roulant. Merci à vous. Merci à vous pour l'attention que vous nous avez portée. Maintenant, nous allons passer à la prochaine candidate. Restez connectés.